Alors je vais parler à voix nue parce qu'il se trouve que nous sommes dans un inconfort acoustique très dérangeant et que ce micro invisible, c'est de la merde. Donc je disais, bienvenue à tous pour cette nouvelle année. Alors je vais comme d'habitude énoncer les quelques règles les plus importantes pour les bijoux qui sont encore jamais venus ici. Alors pour commencer, il est interdit de pénétrer dans la forêt interdite. Parce que ce nom, c'est la forêt interdite. Et quand on dit que c'est interdit, bah c'est qu'on n'a pas le droit d'y aller, hein, et puis c'est tout. Voilà. Il est également interdit de pénétrer dans le troisième étage parce qu'il y a un truc ultra secret qui peut facilement être dérobé parce qu'on n'a pas beaucoup de budget pour la sécurité cette année et que n'importe qui peut y aller sans qu'on y fasse attention. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est interdit aussi. Il est également interdit de pénétrer les salles de cours quand il n'y a pas cours, les dortoirs des autres équipes, l'aile sud du château aux étages 4 et 5, les souterrains secrets, les tours A, B et D en période de printemps, les étages 6 et 8 et demi de la salle centrale, tout le jardin est sur les semaines impaires et les 4 premiers étages sur l'aile nord-ouest entre 10h30 et 18h45. Et pour finir, il est également interdit de pénétrer ma nouvelle secrétaire. Compris? Toute personne ne respectant déjà pas ces règles fera perdre 50 points à son équipe. Bon alors, à cause de ce con de Malfoy, on a dû encore inventer une nouvelle règle dont j'estime qu'il est important de l'énoncer tout de suite. Toute personne fabriquant une potion de polymorphie pour ensuite aller se tripoter dans le corps de quelqu'un d'autre se prendra 25 heures de colle et son équipe entière aura une sanction de 200 points. Voilà, comme ça, c'est clair. Alors faites pas les cons. Bon, avant d'attaquer la suite, on va manger parce que j'ai la dalle. Maintenant, petite présentation du personnel de cette année. Alors pour commencer, votre professeur de forge contre les défenses du mal sera le professeur Rogue. Je suppose que les anciens ont dû vous informer avant votre arrivée sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et je vais donc le dire encore une fois, tout le monde fait des erreurs, et une fois n'est pas coutume. C'est pas parce que le professeur Rogue a accidentellement fait effondrer les deux plus grosses tours du château et tué 34 élèves qu'il faut plus lui faire confiance. Je vous demande à tous de respecter les erreurs des autres, c'est important. Dans la vie, il faut savoir pardonner. Vous ne les trouvez pas un peu bizarres, ces profs? Moi, je les trouve carrément tarés, ouais. Ils ont perdu la tête, surtout le vieux. Ouais, ou alors c'est Voldemort qui a pris une potion de polymorphie. Hein? Mais quand même pas pour... Bah non, patate, pour essayer de nous tuer. Mince, l'escalier bouge! Et merde, on est au troisième étage, là. Bah, on dirait que c'est la faute des escaliers, puis voilà. Ouais. Chers élèves, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Depuis des années, nous avons eu un budget serré pour la sécurité. Mais à partir d'aujourd'hui, elle sera bien présente au sein de notre prestigieuse école. Donc maintenant, rassurez-vous, vous aurez moins de chances de vous faire tuer par les loups-garous, les mange-morts, les détraqueurs, les trolls et Voldemort, même si récemment il a trouvé un moyen de se dupliquer pour tenter de remplacer plusieurs personnes au sein du château. Vachement rassurant dans Voldemort en ce moment. Ça m'énerve, je suis sûre qu'il se passe quelque chose.
Dans ce livre, ils expliquent le fonctionnement de l'effet duplicateur temporaire sur une matière vivante. Le quoi ? Le fonctionnement de l'effet duplicateur. Le quoi ? Le fonctionnement de l'effet duplicateur. Le quoi ? Le fonctionnement de l'effet duplicateur. C'est pour qu'une personne puisse se cloner. Je le savais, merci. Chut. En fait, d'après ce que j'ai pu noter, lors de la soirée, c'est Malfoy qui était dans le camp de Percy. Il voulait entrer chez les Gryffondors pour aller se taper une fille. Sauf que cette fille, c'était Crabbe. Quant à Crevette, il était dans le corps d'une élève de Sir Daigle, mais deux autres personnes ont choisi cette même fille. Donc forcément, c'est parti en vrille. Quant à Ginny, j'ai appris qu'hier, c'était pas elle qui était avec toi, mais une copine à elle. Ron, c'est vrai que tu es un connard, mais ce n'était pas elle qui te l'avait dit. Ah, c'est cool. J'ai aussi appris que certains ont trouvé un moyen d'allonger le temps de transformation. Donc apparemment, il y a une rumeur qui circule que comme quoi un élève de Poufsouffle aurait été dans le corps d'une fille pour voilà quoi. Et quand on l'a vu redevenir lui-même, on l'a sanctionné, mais ce n'était pas encore la même personne. Un joyeux bordel. On a intérêt à faire gaffe, ça commence bien l'année.